Ikena, décroche ton téléphone. Je t'en prie, s'il te plaît. S'il te plaît, décroche-moi ce téléphone. Et mec, vas-y, décroche le téléphone, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fous? Chut. Hey, bonjour. Ouais, bonjour. Est-ce que je t'ai réveillé? Bien sûr. Je suis désolée. J'espère que t'as bien dormi. Ouais, j'essaye. Comme un bébé. Ah, super. Je me suis bien amusé la nuit dernière. Toi aussi, j'espère. Oui, moi aussi. Je suis contente que tu aies appelé. Ah. Tu as une très belle maison, bébé. Oh, merci. Quoi? Je crois bien que tu m'as dit que tu es encore à la fac. Oui, c'est le cas. Pourquoi? Non, rien. Je me demandais juste comment une étudiante est capable de se procurer ce genre d'endroit. Eh bien, ça c'est une histoire pour un autre jour. Parlons plutôt de toi. Comment se fait-il qu'un garçon aussi mignon, beau, que toi n'aies pas de petite amie? Eh bien, je n'en ai pas. Pas vraiment. Je veux dire, j'en avais. Techniquement, nous ne sommes plus ensemble. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est mon histoire pour un autre jour. Ok. Nous allons parler de toi. Alors, dis-moi. Est-ce que tu as une petite amie? Non, je n'en ai pas. Et comment tu as eu ça? Est-ce que ça compte vraiment? J'imagine que non. Bien. Parce que je pense que je commence à t'apprécier. Peut-être qu'on devrait vérifier l'heure. Je pense que je dois déjà partir. Où est-ce que tu vas? Chez moi? Chez toi? Juste comme ça? Ouais. Pourquoi? Tu devrais au moins prendre ton petit déjeuner. Te rafraîchir un peu. Comme ça, tu ne tueras personne avec ta mauvaise haleine ce matin. Ne t'en fais pas. Je vais te chercher une brosse à dents et une serviette. D'accord. Et Boubé, ton téléphone sonne.
Hey, Ikena, quoi de neuf? Oh, je n'ai pas entendu le téléphone sonner. Tu n'aimerais pas savoir. Ce qui s'est passé. Mec, je ne vais pas te mentir. Cette fille est une voleuse, un rat d'hôtel. Elle m'a fait dépenser tout ce que j'avais sur moi hier. Tu ne me croiras peut-être pas, mais ce que j'ai sur moi comme argent, c'est 50 naira. Mec, s'il te plaît, je te rappelle plus tard. Et c'était quoi ça? L'appel? Ah, c'était juste mon père. Il m'appelait juste pour prendre de mes nouvelles. Oh, ton père? Et tu l'as appelé mec? Ouais. Mon père et moi, nous sommes comme de meilleurs amis. Oh, ok. Le petit déjeuner est prêt. Est-ce que tu peux m'aider avec Ah, ça? bien sûr. Merci. Doucement. Super. Ah. Merci. Ta cuillère. Wow. Ok. Excuse-moi, Wow. je vais prendre ça. Oh, où est ta cuillère? Je n'ai pas faim. Je vais me contenter de cette tasse de thé pour l'instant. Mais cette nourriture est vraiment beaucoup. Après la nuit dernière, tu en auras besoin. De plus, j'aime les hommes qui peuvent manger. D'accord, donc, si tu insistes. J'insiste. Ok, voyons voir. Tu aimes ça? Ouais. C'est vraiment très bon en fait. Ouais, c'est plutôt très bon. Ce sont les Oh. meilleures céréales que j'ai déjà mangées. Très bon, c'est quel parfum? Sorbette? Sorbette? Mon ingrédient spécial. Peu importe ce que c'est super. Je suis contente que tu aimes. Ouais. Alors dis-moi, Ouais. tu as dit que tu avais rompu avec ta copine? Laquelle d'entre elles? Excuse-moi, je te demande pardon. Tu m'as l'air d'être un gars qui a un tas de petites amies. T'as entendu ça? Entendu quoi? Non. Non, 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 Quoi? non, Qu'est-ce non, qui se non. passe? Il est censé être hors de la ville. Pourquoi est-il De quoi rentré? est-ce que tu parles? Mon petit ami, c'est sa maison. Quoi? Tu m'as dit que tu n'avais pas de petite amie! Quoi? Oh, tu m'as menti! Oh, s'il te plaît. C'est tout ce que tu trouves à dire là? Ne joue même pas les innocents. J'ai fouillé ton téléphone. T'es un connard. Quoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Tu m'as amené ici pour que je meure? Pour que je meure, c'est ça? Tu m'as tendu un est-ce que piège! tu vas baisser d'un ton? Hé, hey, arrête! Mais qu'est-ce que tu fais? Arrête ça! Va dans les toilettes! Allez, 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 allez! Comment tu vas gérer ça? Va dans les toilettes, n'importe où! Allez! Dépêche-toi! Hey, va-t'en!
Bienvenue, chérie. Eh bien. Qu'est-ce que tu fais ici? Je veux dire, tu étais censé être hors de la ville pour la semaine. Oui, en fait, je reviens juste de l'aéroport. Et tu ne m'as même pas appelé. Où sont tes sacs? Mes sacs? Oui, tes sacs. Dans la voiture, okay. Dans la voiture, allons. Oui. Ok. Ouais. Oui. N'es-tu pas censé être à l'école? École? Oui, moi, oui, je suis censée être voilà. À l'école. Mais c'est quoi tout ça? Quel est ce merdier, hein? Allô? Ikena, s'il te plaît, viens me chercher maintenant. S'il te plaît, je suis dans les ennuis. Je vais te rappeler plus tard, mec. Attends. Allez, viens là. C'était quoi ça? Ça quoi? J'ai entendu un bruit en haut. Non, c'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'étage? Non, en train de faire quoi? Non, bébé, allons chercher tes sacs. Il n'y a rien. Oh merde. Ok. Peut-être c'était juste mon imagination. Oui, peut-être. Oui. Maintenant, est-ce qu'on peut descendre? Tu as faim? Oui, tu dois avoir faim. Alors allons. Ouais. Allons-y. Je vais te chercher un truc à manger. D'accord. Là-dedans. Chérie, je peux t'expliquer. Et c'est normal. Mais c'est quoi cette odeur? Que se passe-t-il ici? Hey. Je vais le tuer. Non. Tu entends ça? Je vais non, te tuer. Non, non. Ne le tue je pas. Vais te faire la peau. Ferme la porte. Ferme la porte. Quand tu auras terminé, je vais te tuer. On peut aller en bas, je veux prendre de l'air frais. Oui, oui. Ah, allons-y. Daniel, attends s'il te plaît. Je te crois pas, Chica. Donc maintenant tu emmènes les hommes chez moi pour coucher avec eux? Et c'est si dur là, on est en train de foutre bordé dans mes toilettes. Je me demande bien si je vais encore pouvoir les utiliser. Je peux t'expliquer. M'expliquer quoi? Daniel. Que je n'ai pas couché avec lui? Mais je ne l'ai pas fait. Et tu t'entends ce que je crois ça? Et pourtant c'est vrai. Je n'ai pas couché avec donc, lui. Donc ma maison est devenue des toilettes publiques pour tout le monde, pas vrai? Allô? Qu'est-ce qui s'est passé? Mec, je t'en supplie, viens me chercher maintenant, avant qu'on ne me tue ici. S'il te plaît.
Oh, tu ne peux pas parler. Tu as perdu la langue. Tu es impossible. Daniel, tiens-moi plus. C'est ça que tu cherches? Espèce de merde! Comment tu peux? Daniel, reviens ici! Daniel, reviens ici! Comment tu peux? Ah! Daniel! Je te jure, je n'ai rien fait! Je t'assure, je n'ai rien fait, mec! Daniel, calme-toi! Attends! As-tu lavé tes mains? Elle m'a touché avec ses satanées mains! Putain! Ah, mon Dieu! Ah! Je les ai lavées! Vraiment? T'es-tu lavé les mains? Oh, tu ne l'as pas fait. Pourquoi? Tu ne l'as pas fait. Ce n'est pas important pour le moment. Va-t'en, pars avant qu'il ne revienne. Allez. Tu es sûr qu'il ne l'a pas gardé quelque part? Vous êtes venu par ici? Comment est-ce que je suis censé le savoir? Mais tu es censé le savoir! Où l'a-t-il gardé? Cherche! Cherche! Qui a utilisé ça? Tout ça? Sais-tu combien ça a coûté? Désolé, excuse-moi s'il te plaît. Ne te fâche pas. Puis-je le voir? S'il te plaît. Tu m'as drogué! Pas étonnant! Je le savais! Et moi qui imaginais que c'était ta cuisine! Je le savais! Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Pourquoi tu fais des choses pareilles? Qu'est-ce que je t'ai fait au juste? Parce que tu es un menteur! Alors sur quoi t'ai-je menti? Tu as menti. Tu as dit que tu n'avais pas de petite amie. Mais tu en as une. J'ai fouillé ton téléphone. Premièrement, je ne t'ai pas menti! Oh mon Dieu! Tu es en train de mentir! Deuxièmement, tu n'as aucun droit d'aller fouiller mon téléphone! Hé! Tout ça, c'est du bordel! Toi, tu ferais mieux de passer d'ici avant que je ne revienne, sinon! Désolé, nous sommes ici pour les clés de la maison. S'il te plaît, ne te fâche pas. Merci. Daniel, tout est de ta faute! Dégage! Après tout, c'est toi qui m'as amené ici, je n'ai rien à foutre ici! Tu sais quoi? Va-t'en, va-t'en, dégage d'ici! Daniel, où es-tu?
Daniel, écoute, je peux t'expliquer. Toute cette affaire n'est pas... Hey! Ce n'est pas ce à quoi ça en a l'air. Cette chose, comme tu vois là, ça ne ressemble pas... Ce n'est pas ce que tu penses. Ce n'est même pas ce à quoi moi je pense. Ce n'est pas ça. Bien sûr que ce n'est pas ça. Je peux t'expliquer. C'est ça, tu peux expliquer. Ce n'est pas... Tu peux expliquer, hein? Daniel, je peux t'expliquer. Tu peux expliquer, tu peux expliquer, mon œil. J'ai changé ces draps hier. Bébé, tu n'as même pas eu la gentillesse de changer ces draps. Ah. Jamais ces draps. Et maintenant, je vais devoir les brûler. Quoi? Tu viens juste de dire que tu as changé ces draps hier. Ouais, et alors? Et tu as dit que ça faisait 3 jours que tu n'étais pas dans la ville. Hello? Hello? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ok, tu m'as trompé, tu m'as manqué de respect. Écoute, va, fais tes affaires et fous le camp chez moi. Avec un peu de chance, tu pourras rattraper ton petit ami. Il n'est pas mon petit ami. Je ne suis pas ton petit ami non plus, alors pars. C'est fini. Daniel, s'il te plaît, essayons. Est-ce qu'on peut... Amène ton préservatif avec toi. Daniel. Pourquoi tu plantais là? Qui est là? Braise! Mais qu'est-ce que tu fous ici? Et comment tu as trouvé ma maison? Oh! Tu penses te débarrasser de moi juste comme ça? Hein? Braise, calme-toi! Calme-toi! Écoute, rentre et je te rappellerai plus tard, ok? Juste rentre à la maison. Ah! Écoute, tu as quitté la chambre d'hôtel avant que je ne me réveille. Bloquer tous mes appels! Non, c'est comme ça que nous allons parler! S'il te plaît, calme-toi, d'accord? Écoute, je vais te rappeler, je viens de te voir à l'hôtel, ok? Mais là, il faut que tu partes. Hey! Vas-y. Je n'irai nulle part! Oh oui! Bref, ça veut dire que tu n'iras nulle part. Écoute, rentre chez toi et je te rappellerai plus tard. Plus tard? Tu as dit que tu allais me rappeler plus tard, le mois dernier. Plus tard, il y a 2 semaines. Plus tard, la nuit dernière. Plus tard, c'est maintenant. Oui. Braise, plus tard, c'est pas maintenant. Je te parlerai plus tard. Daniel, mon plus tard, c'est maintenant. Hein? Il y a une femme dans cette maison? Vous pouvez imaginer ce gars? Donc il y a une femme dans cette maison, hein? Et toi, non, ça me dit. Ma petite amie, est-ce que tu peux te calmer pour une seconde? C'est bon, avance. Hey, hey! À qui est-ce que tu parlais? À personne. Je parlais à ton petit ami. Il n'est pas parti. Il est encore ici? Et il n'est pas mon petit ami.
Et toi? Comment se fait-il que soudainement tu aies la voix d'une fille? Quelle fille? Ce n'est pas... Ne m'embrouille pas. Je pourrais jurer que j'ai entendu la voix d'une fille. Attends, tu insinues que je mens ou quoi? Ok, dans ce cas. Où est-il? Où est qui? Où est le petit ami? Le petit ami dont tu parles? C'est quoi cette odeur horrible? Chris! Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire? Toi, qu'est-ce que tu fais là? Hey! Jésus-Christ! Qu'est-ce que tu as mangé? Hey! Praise? Hey! Praise? Oh! Chica! Salut! Je pensais que tu avais dit que tu allais chez tes parents. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Oh oui! J'ai changé d'avis. Je m'ennuyais alors. J'ai décidé de venir te voir. Venir me voir? Non, mais je ne t'ai jamais dit que je venais ici. Attends. Comment tu connais cet endroit? Parce que je suis très sûre que je ne t'ai jamais emmené ici. Je l'ai invité ici. Je l'ai invité. Sais-tu que ton amie me trompe? Quoi? Vraiment? Elle couchait avec un autre mec dans ma maison. Comment, Tika? Comment tu as pu? Comment j'ai pu quoi? Et pour empirer les choses, le mec a profané mes toilettes. C'est vraiment... Hein? Oui! Maintenant, il faut que je... Arrêtez-moi tout ça. Brice, as-tu jamais senti une odeur pire que ça? Et qu'est-ce que tu fais d'abord ici? Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Dis-le-moi. Tu es encore ici? Tu es encore ici? Attends. Chica, tu as couché avec mon petit ami? Quoi? Petit ami? N'essaye pas de faire semblant de ne pas savoir qu'il est mon petit ami, boubé! Comment étais-je censée savoir qu'il est ou était ton petit ami? Doucement. Écoute, ne me donne même pas ce regard, tu le savais. Comment est-ce que j'étais censée savoir? Tu ne m'as jamais dit que tu avais un nouveau petit ami et qu'il... Je connais tous tes petits copains et leur numéro. Alors, c'est quoi son numéro? Ma belle, baisse la voix, il est juste derrière toi. Écoute, le truc est que lui n'a pas de numéro parce qu'il n'a pas d'argent. Ah, il n'a pas de numéro. De quoi? De quoi est-ce que tu parles? Quel numéro? Elle parlait juste. Menteuse. Je le savais. Alors ça, tu as beaucoup de copains. Tu m'as trompé. Et toi? Tu as couché avec ma meilleure amie. Ah oui. Et pour ton information, hein, si tu veux un numéro, tu peux prendre le numéro 99. Je te conseillerais de prendre le numéro 105, parce que celui-là est déjà pris. Et toi? Je croyais que tu étais ma meilleure amie. Oui. Je n'ai jamais couché avec lui. Je ne l'ai pas fait. Mais pourquoi tu mens encore? Mais je n'ai pas couché, Eboubé. Est-ce que tu peux leur dire que je n'ai pas couché avec toi? Eboubé! Elle dit la vérité. On n'a pas couché ensemble. Et laisse-moi te rappeler. Tu m'as dit que tu ne lui avais jamais dit que nous étions des amis, n'est-ce pas? Tu l'as dit. Quoi? Tu savais? Tu savais qu'on était amis? Mais parle. Écoute, je peux t'expliquer. Expliquer?
Expliquer quoi? Tu... Hey! Hey! Écoutez, je n'ai pas besoin de tout ce drame dans ma maison. Allez, foutez tout ce con d'ici. Toi, dehors. Allez, viens. Allez, dehors. Sors. Lâche-moi. Allez, attends. Attends d'ici. Sors. Lâche-moi. Dehors. Tu sors. Sors de chez moi. Sors de chez moi. Pourquoi est-ce que c'est moi qui te mets dehors? Oh, tu penses que tu peux cacher tes péchés, hein? C'est un mensonge. Oui. Attends. Quel péché? De quoi est-ce qu'elle parle? À quoi est-ce qu'elle fait référence? J'ignore vraiment de quoi elle parle. Tu veux le dire? Tu veux lui en parler ou je le fais? Lequel? Attendez une minute. Attendez. C'est toi l'arnaqueur. Ah. Qu'elle voyait, n'est-ce pas? Attendez. Ces appels tardifs. Tout ça, c'était dans toi. C'était toi, n'est-ce pas? Bâtard! Non! Bâtard! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu n'as toujours pas lavé tes mains! Je l'ai fait! Quand? La dernière fois que j'étais aux toilettes. Eh, Boubé, arrête de mentir. Tu n'as pas lavé tes mains. Oh! Eh bien, tu ne nous as pas dit ce que tu faisais ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Je sais que tu es encore venu coucher avec lui, n'est-ce pas? Ce gars ne sait pas s'y raconte. Mais vu toute cette tour shop le rendre des infos. Quoi? Chica, je vais le dire. J'ai couché avec ton petit ami, Daniel. Oh oui. Quoi? Bébé, n'ose même pas me toucher. Bébé, écoute, ce n'est pas aussi sérieux. Ma meilleure amie? Ce n'est pas aussi sérieux. Et vraiment? Ce n'était pas sérieux? C'est juste arrivé, ok? Oh! C'est juste arrivé. Encore. Et encore. Et encore. Et encore, encore. On a compris ce que tu voulais dire, ok? Hey, Brice. Quel genre de femme tu es? Tu n'as pas... Tu n'as donc aucun remords ou quoi que ce soit? Tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Oh, je vois. Tu es juste en colère parce qu'on t'a attrapé, c'est tout. Eh bien, flash info, je n'ai pas couché avec elle. Menteur! Pourquoi penses-tu que je suis en train de mentir? Je ne suis pas comme toi, espèce de salope. Tu passes ton temps à coucher avec les gens partout où tu pars. Sale chien! Non, espèce de bouc! Toi, la chèvre! Et toi, le bouc, pouvez-vous partir de chez moi, s'il vous plaît? Vous ne voyez pas que... Oh, elle est maintenant ta petite amie. Mais ce n'est pas ce que tu m'as dit la nuit dernière. Hey, okay, tu n'iras nulle part. Nous devons parler. Toi. Nous devons parler ensemble. Oh putain, ils vont encore foutre en l'air mes toilettes. Oh. Pourquoi moi? Alors là, ils se foutent de ma gueule. On sait que t'as mis ça pour détruire mes toilettes. Et toi? Quel est ton problème? Pourquoi tu veux pas rentrer chez toi? Et je t'ai dit que je n'irai nulle part. Oh, tu crois que je suis l'une des filles que tu peux utiliser et abandonner comme tu veux? Non, jamais. Et tu crois vraiment que c'est l'un de tes nombreux petits amis? Vraiment? Oui, j'aurais dû m'en douter. Je n'irai nulle part. Je suis ici. Qui est là? Attends, tu attends quelqu'un? Non. Bonjour tout le monde. Qui es-tu? Eh bien, je m'appelle Kenna, je suis l'ami des Boubés, je suis ici pour... Tu vas aussi me foutre en l'air, mes toilettes! C'est ça? C'est pas possible d'être aussi là pour mes toilettes! Attends. De quoi est-ce que tu parles, frérot? Pourquoi je suis ici? Non, je suis ici pour les chercher, je suis un chauffeur de taxi, mon frère. Chauffeur de taxi? Oui, frérot. J'ai l'air pour mes toilettes! Daniel, arrête! Bruce, mon cou! Tu connais ce gars? Bien sûr que oui, c'est l'ami des Boubés. Non! Ça pue la merde.
Non. Attends, je fais partie de ceux qui ont couché avec elle, n'est-ce pas? Non, mon frère. Viens de te dire que tu as couché avec Chica. Arrête, 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 arrête. Tu exagères. Je suis un chauffeur, moi. Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Quoi? Tes mains sont mouillées. Mais j'ai lavé mes mains. Avec du savon. Oh mon Dieu. Pourquoi? Mec, j'ai un sérieux problème d'hygiène. Vous savez quoi? Je supporte plus tout ça. Plus du tout. Dégage de mon chemin. Nulle part. Tu n'iras nulle part. Prise. Je supporte plus tout ça. Dégage là. Je m'en vais. Je me suis laissé. Hé. Je n'en ai pas encore terminé avec toi. Laisse-moi te le dire. Nous allons en parler, que tu le veuilles ou pas. Et toi, de quoi veux-tu lui parler? Et qui es-tu? Eh bien, ce ne sont pas tes affaires. N'importe quoi. Je t'attends ici. Je suis juste là. Ne t'en fais pas, ne me demande rien. Il a voulu te tuer. Non, non, ne me touche pas. Oh, tes sales mains de mon corps. Tu m'as amené ici pour me faire tuer. Je sais que ton ami m'a toujours soutenu. Je veux dire, Prise n'est pas une bonne amie, tu sais. Oui, elle n'est pas une bonne amie, tu vois. Je veux dire qu'elle m'a toujours couru après. Voyons, qu'est-ce que j'étais censé faire? Rien du tout. Tu ne devais rien faire. Je veux dire, est-ce que tu t'écoutes même? Hé! N'oublions pas que c'est toi qui m'as trompé ici, ok? Et en plus, la fête avec monsieur... Ah, tu sais même assis sur ce lit. Tu as blâmé, d'accord? Tu m'as manqué de respect. Tu sais quoi? J'ai toujours su que tu me trompais. Je le savais. Mais comme d'habitude, tu avais toujours des mensonges à me raconter. Je t'ai appelé hier et une femme a décroché ton téléphone. Oh, vraiment? Oui, vraiment. Et c'était ça. Alors j'ai décidé de faire pareil. Ça faisait un moment maintenant qu'Iboubé me harcelait. Alors j'ai décidé de l'inviter à la maison. Et tu as décidé de coucher avec lui? Sur mon lit? Non, je ne l'ai pas fait. Eh bien, nous sommes allés en boîte la nuit dernière. Je ne peux pas. Non, tu ne peux pas. Allez, continuons. Non, je suis sérieuse. Je ne peux pas. Oui, tu peux. J'essaie d'ouvrir ça. Permets-moi juste de finir d'ouvrir ça. Non. Hein? Alors non, je ne l'ai pas fait. Mais après avoir découvert que tu couchais avec Praise, honnêtement, j'aurais aimé l'avoir fait. Oh, donc maintenant tu te fais pousser des ailes? Non, je me suis fait pousser les seins maintenant. Eh bien, tant mieux pour toi! T'as toujours eu des seins? Qu'est-ce que je ne peux te donner? Et tu ne m'as toujours pas dit ce que tu voulais lui dire.
Alors, qu'est-ce que tu voulais lui dire que tu ne peux pas me dire? Je suis ton petit ami, pour l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, enfin tu es ici. En fait, voici maintenant la vérité, ok? Et Boubé est en colère contre Praise parce que il veut que Praise lui dise ce que Praise veut dire à ton petit ami. Et Praise est fâché et en colère contre Boubé parce qu'elle pense que lui, il l'a trompé avec toi. Et qui es-tu? Moi... Eh bien, mademoiselle... Je suis Monsieur Ikenna, mademoiselle, et je peux deviner que tu es Chika. Oui. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Oh. Tu sens comme du vent de palme frais. Pardon. Alors, qu'est-ce que tu as entendu sur moi? Oh. Rien, rien, absolument rien, n'est-ce pas? Oui, il a très raison, parce qu'il a raconté beaucoup de choses sur toi et sur toi et sur beaucoup d'autres personnes. Je veux entendre les maintes choses qu'il a racontées sur moi. Moi aussi, j'aimerais. Mais c'est... Il s'agit de moi, pas ce de toi. Ce ne sont pas tes affaires. Peu importe. Asseyons-nous comme ça, oh, on pourra... Oui. En discuter. Ah, sorcière, je ne vais pas tomber. Ah, asseyons-nous. Ah. Asseyons-nous. Ok, asseyons-nous. Je t'en prie. Oh, tu veux que je raconte maintenant? Lâche-moi, toi. Alors, comme je le disais... Mais pourquoi êtes-vous encore chez moi? Et n'avez-vous pas de maison où aller? Rentrez chez vous! Ma femme! Mais dis pas ça dans ma propre maison. En fait, la vérité est que... Eboubé a toujours voulu coucher avec toi. Oui, oui, il parle toujours de toi. Genre, Chika par-ci, Chika par-là, tu sais. J'aime Chika, tout ce genre de choses. Et maintenant que je viens de te voir, ma puce, je te jure que je ne lui en veux pas. Pas d'offense, hein, chérie. Je suis offensée. Tu es offensée. Oui, tu es très, très offensée. Donc, tu as voulu coucher avec mon ami. Quoi? Non. Hein? C'est un mensonge, tu m'as dit que tu voulais coucher avec elle. Ne le nie pas, tu l'as toujours voulu. En fait, la vérité est celle-ci, chérie. Tu te souviens de la première fois que tu l'as appelée, tu lui as dit « Je veux que tu viennes chez moi », c'était genre « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! » Il était là, il montait, il descendait. Qu'est-ce que je vais porter? Mes chaussures, ils sont où? Il l'aime, hein? Oh mon Dieu! Tu as réussi. Et j'espère que tu es très content. Je n'ai pas couché avec elle, hein? Menteur! Tu veux connaître la vérité? Mm-hmm. Je ne t'ai pas trompé. Oh non. Même pas une fois. Désolée. En fait, Ikenna dit la vérité. J'ai essayé maintes fois de vouloir te tromper. J'ai toujours essayé, mais ça n'a jamais marché. À chaque fois que je sortais avec une fille, quelque chose venait toujours gâcher, je ne sais pas ce que c'est. J'ai donc commencé à croire que tu portes une poisse venant du village. Moi, la poisse. Attends. En fait, la vérité est que je pense que tu as vraiment de la poisse, ma puce. Parce que ce jeune homme a essayé de coucher avec quelqu'un d'autre environ 17 fois. Quoi? C'est toi le poisseux. Ikenna, tu n'es pas en train de m'aider. Mais c'est simplement la tu vérité. Tu n'es pas en train de m'aider. Oui, c'est juste la vérité. Ferme-la. C'est comme je disais. Depuis qu'elle a commencé à fréquenter cet arnaqueur. Hey. Je t'ai dit qu'il était très fort, frère Wally. Mais où as-tu trouvé cette trou de cul? Ne m'interromps plus. Eh bien, comme je disais, je ne suis pas sûr de combien de temps. Ça fait depuis qu'elle a commencé à le voir. Dis-moi, frère. Ça fait 10 mois. Ouais. Tu l'as chevauché pendant 10 mois? En fait, ma puce, la vérité est que... Il se plaint de Daniel qui donne l'argent à elle tout le temps, tu vois. L'amène en balade, voyager partout, s'amuser d'un état à un autre. Se divertir, jubiler, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est comme ça. Oui. De combien est-ce qu'on parle là? Ce ne sont pas tes affaires. Bébé, écoute, je lui donne juste un peu d'argent, voilà.
petit argent, mon cul. Elle me le jette en plein visage, tout le temps. En passant, la vérité est que... elle a arrêté de coucher avec Eboubé. Ça l'a blessée. Ikena. Mais c'est la vérité. T'as oublié que tu as failli te suicider à cause de cette... chose. Oh, désolé. Eboubé. Viens ici. Pourquoi, Chika? Hein? Tu sais ce que je ressentais pour elle. Pourquoi elle? Quoi? Tu la détestais? C'est évident, nous le savons. Ouais, je peux confirmer cela. Elle te déteste vraiment. Pourquoi? Ouais, c'est sûr, elle te déteste vraiment. Ouais, elle te déteste. Oh, ça suffit. Donc, je suis la mauvaise maintenant, n'est-ce pas? Hein? C'est bon. Dieu merci, vous êtes tous ici. Pas de problème. C'est bon. Voilà. C'est quoi ça? Le résultat d'un test. Le résultat d'un test de grossesse. Non, Brace. Tu ne peux pas me faire ça. Non, tu ne peux pas le faire. Je ne suis pas prêt à devenir père à nouveau. Tu ne peux pas être enceinte. Rappelle combien de temps. Après combien de temps tu as arrêté de faire l'amour avec moi. Tu ne peux pas me le faire. Ah, pourquoi? Je ne peux pas. Mon loyer va expirer le mois prochain, mais... pneus sont foutus. Je voulais les changer. Tu as dit que tu devais me donner l'argent pour le faire. Je n'ai pas d'argent pour payer la scolarité. Oui, frérot. Et je ne suis pas aussi d'accord avec l'avortement. Avortement. Non, pas ça. Ok, je suis un homme très humble. Et je suis sûr qu'on pourra surmonter ça. Je sais que je n'ai pas d'argent maintenant. Mais nous pouvons dire que nous allons nous en tirer. Excusez-moi. Je suis désolé d'interrompre ce moment magique. Mais pouvez-vous dégager de ma maison? Quoi? Vas-tu la fermer? Oui. Revenons à toi. Maintenant, tu sais que tu n'as pas d'argent. Hein? Mais tu n'arrêtes pas de demander le sexe. Hein? Ne t'en fais pas, ok? Ne te dérange pas. Hein? Parce que tu es un homme très stupide. Oui. Oui. De toute façon... la grossesse n'est pas de toi. Oh! Allez, tourne-la! Alléluia! Une bonne nouvelle. Que la grossesse n'est pas de mon pote et mon frère. Qui est le père de l'enfant? Pourquoi est-ce que tu me regardes? Je ne sais pas, frérot. Eh bien, Daniel, je l'ai chanté comme une chanson que nous devons parler. Oh, qu'est-ce que cela signifie? Je suis enceinte de toi. Ouais! Ceci ne peut être... Mais ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire. Je suis enceinte de toi. Pense-y, ça fait 10 mois. Tu l'as chevauché pendant 10 mois. Hey, tu reprends encore dans mes toilettes? Qu'est-ce qui arrive? Bébé, s'il te plaît, non, bébé. Ne me fais pas ça. Vous n'avez encore rien vu. Vous pouvez tous partir. Écoute, Chika. Écoute, je refuse catégoriquement que ce bébé soit le mien. Et tu penses que cela est suffisant? Non, pas du tout. Mais tu sais, nous devons encore parler. Ok. Bébé. Est-ce qu'il y a des chances que ce bébé soit le tien? Non! Absolument! Pas du tout! Est-ce que tu t'es protégé? L'as-tu oui. fait? Peut-être. Parfois. Oui, parfois. Pas aucun sens, je crois. Ok, bébé, je ne l'ai pas fait. Ça ne veut pas dire qu'elle est enceinte de moi. Je veux dire, c'est juste arrivé. Et on l'a fait. Sur le coup de l'émotion et le moment. Bébé. Je dois réfléchir. Oui, bébé, seule. Mais tu dois aussi. Pas avec toi ici. Non, je ne suis pas d'accord.
Je vais y aller. Non, bébé, tu ne peux pas partir. Reste avec moi. Alors, va-t'en. Bébé, ça, c'est ma maison. Comment vais-je quitter ma propre maison? Mais tu es là... Oh, non, bébé. Non, bébé. Lâche-moi. Je vais tu crier. Tu n'as pas besoin de laisser quelqu'un. Bébé, calme-toi. Doucement. Dégage. Ok. Va-t'en. Je m'en vais. Dégage. Mais okay, va-t'en d'ici, mon sang. Bon, je m'en vais. Dégage. Disparais. Bébé, écoute, je vais... Ok. Hey, quoi de neuf, frérot? Mec, si je continue comme ça, je vais perdre beaucoup de poids. Dieu merci que tu sois venu, hein? Elle a failli me tuer avec ses yeux. J'ai besoin de savon. Il n'y a pas du savon dans les toilettes. Il y a du savon dans la cuisine. C'est une journée de merde, pas vrai? Est-ce que tu oublies souvent de te laver les mains? Ou alors tu ne te déranges pas à les laver du tout? Je les lave toujours. Tout ceci, c'est de ta faute. Si ton plan était de me faire chier tous mes organes vitaux, alors bon travail, ça marche. Eh bien, je l'ai fait parce que tu profitais de moi. Et tu n'as pas profité de moi? Je ne sais pas de quoi tu es en train de parler. Vraiment? Dans tous les endroits où tu pouvais m'amener, c'est ici que tu as choisi. C'est quoi ton plan, en fait? Réponds à ma question. Si tu comptais m'amener aussi loin, pourquoi tu as dit non? Eh bien, j'y ai pensé et j'ai réalisé que ça n'en valait pas la peine. Et toi? Pourquoi est-ce que tu m'as choisi? Franchement, je voulais vraiment la blesser. Je veux dire, elle raconte de mauvaises choses sur moi. Vraiment? Elle te déteste pratiquement. Qu'est-ce que tu as eu à lui faire? Eh bien, je n'en ai aucune idée. Alors, pourquoi est-ce que tu as changé d'avis? Tu sais, les choses auraient quand même pu arriver hier soir. Eh bien,
Je... Quand on a parlé pendant 10 heures, j'ai réalisé que tu es vraiment une personne merveilleuse. Donc, ton plan était de m'amener ici et me laisser poireauter. Je ne comprends pas. Comment ça te laisser poireauter? Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne comprends pas? Si tu savais que tu n'allais rien faire, pourquoi est-ce que tu m'as fait quitter la boîte, devenir ivre et venir ici? Qu'est-ce que j'étais censée faire? Est-ce que j'étais censée... Et pourquoi tu parlais comme ça au téléphone? Tu étais toute gentille et... toute tendre. Si tu est-ce que c'est pas de ma faute si tu as pris tout le temps du monde pour mettre un préservatif? Vraiment, maintenant tu me jettes la faute. Ok, je vais enfiler un autre, je serai rapide. Peut-être cela te rendra heureuse. Maintenant, c'est drôle. Pourquoi vous, les femmes, vous êtes comme ça? Comment sommes-nous? Non, non, ça va. Tu te battais, en fait. Je veux dire, tu battais avec un préservatif. C'est vraiment gênant, tu sais. Tu ne l'as jamais fait avant? Ne me dis pas que tu ne l'avais jamais fait avant. Peut-être qu'on doit commencer par ça pour... Tu es malade, jamais de la vie. Tu es vraiment... Tu es occupé à... Tu es très drôle, tu sais. Et Boubé? Tu es une personne... En fait, tu es incroyable. Tu es également une personne très incroyable. Vraiment? Ouais. Non, je ne vais pas y aller. Où est-ce que tu ne veux pas aller? Oui, je n'ai pas choisi d'y aller. Vraiment? J'aimerais bien savoir... Je peux t'embrasser? Bonne nuit. Bonne nuit. J'aimerais utiliser les toilettes. Ok. Je ne me sentais pas bien par rapport à ça. J'ai essayé de partir tôt ce matin, mais la porte était fermée. Vraiment? Sans même dire au revoir? J'essayais d'éviter un réveil bizarre. Imagine l'ironie. Ouais. Je suis vraiment désolé pour tout ça. Ok. Et je suis désolée. Désolée de t'avoir droguée. Excuse acceptée. Mais je suis contente que tout se soit passé ainsi. Parle pour toi-même, s'il te plaît. Tu as l'air... calme par rapport à tout ce drame. Oh, eh bien, il y a ce stade où tu as la certitude que tout est fini. Ouais, je connais ce sentiment. Je comprends. Je te verrai plus tard.
Attends. Prends ceci. Ça t'aidera pour ton ventre. Tu te fous de moi? Attends, tu avais ça pendant tout ce temps? Je te verrai plus tard. Ah, c'est ça. Ouais. Il y a de l'eau dans ce frigo. De l'autre côté, il y a de l'eau. C'est vraiment fou. Hey, et voici les boubés. Frérot, on parlait de toi. Tu vois? Ok. Ouais, assois-toi. Oh! Je me suis lavé les mains avec du savon. Je suis sûr que tu l'as fait. Mais bon. Tu peux aussi la ramener chez toi en rentrant. Ah! Boubé, en fait, Daniel a quelque chose à te dire. Tu as quelque chose à lui dire, n'est-ce pas? Puis-je me confesser? Ok, d'accord. Je t'en prie. Ok, je vais essayer de dire les choses directement. Je sais que tu es en colère contre Chika et moi. Et je veux que tu saches que rien ne s'est passé. Rien du tout, je t'assure. Je ne savais pas qu'elle avait un petit ami. Je savais que c'était sa maison. Je sais ce que ça fait quand on te manque le respect. C'est pour ça que je veux te présenter mes excuses. S'il te plaît, ne te fâche pas. C'est pour cela que tu n'as pas pu te tromper de Fred. Tu pouvais le faire. Eh bien, je ne vais pas te mentir. J'ai essayé. J'ai essayé de le faire, mais pour des raisons vraiment bizarres. Et rien ne se passait. Je ne sais pas si c'est de la poisse que j'ai. Je ne sais pas. Et la pensée que Praise me trompait, m'a fait me sentir encore pire. Elle t'a bien trompé. Tu vois, imagine comment je me suis senti quand je ne pouvais pas la tromper en retour. Je ressens ta douleur, frérot. Tu ressens ma douleur aussi? Je ressens la douleur. Salut les mecs. Je suis vraiment choqué. Et dis-moi pourquoi es-tu ténu là? Qu'est-ce que tu cherches encore chez moi? Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Et je vais le redire. Je n'irai nulle part. Daniel. Praise. C'est un commenté, pas vrai? Toute cette histoire, c'est à propos de l'argent.
Hey. Très bien. Alors combien est-ce que tu veux? Combien est-ce que tu veux pour te débarrasser de cette chose qui est en toi? Prends ça. Et laisse-moi te dire. Tu vois ce bébé? Je vais garder ce bébé. Ton bébé. Nous allons nous marier. Et d'ailleurs, mes parents ne me laisseront pas donner naissance à un enfant hors mariage. Note-le. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Vous allez vous marier? Félicitations! Dégage! Mais d'où vient ce gars? Calme-toi, calme-toi. Hey, bébé! Pourquoi est-ce qu'il dit que vous allez vous marier? Honnêtement, je crois que ce gars est fou. Cependant, Braise semble croire que nous allons nous marier. À la question de savoir où est-ce qu'elle sort cette stupide idée, je n'en sais rien. Elle est sérieuse en fait. À chaque fois que cette dame désire quelque chose, je t'assure, elle obtient. Ah, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je pense que tu devrais commencer à préparer le mariage. Daniel, j'espère que tu n'as pas oublié que mon père est un militaire. Ouais, donc, c'est à toi de voir si tu veux de la manière forte ou de la manière douce. Le choix te revient. Eh bien, je peux voir que tu t'es trouvé une femme. Je suis contente pour vous. Je pense que je devrais vous laisser pour que vous commenciez les préparatifs. Félicitations. Oh, merci. Santé. Il y a un problème? Regarde. Nous n'avons rien à voir avec ce dont ils sont en train de parler. Hein? Je te conseillerais qu'on cherche à partir d'ici. J'ai très faim, moi, et personne n'a dit quoi que ce soit sur la nourriture. Mec, avant de partir, j'aimerais d'abord parler à Braise. Quelle Braise? C'est là. Écoute, je vais te laisser ici et m'en aller. Je ne sais pas pourquoi tu veux lui parler. Tu vas rester ici tout seul. Pas de soucis, mec. Pas de soucis? Pas de soucis? Pas de soucis? Ok, ok. Pas de soucis. Pas de soucis. Cinq minutes. J'ai les yeux sur toi, frérot. Je te jure. Ouais, frérot. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais juste qu'on parle un peu. S'il te plaît. Écoute, elle bluffe. Ok. Elle veut juste me dépouiller de mon fric. Et je peux régler ça. Écoute, je veux... Il n'y a rien à régler, Daniel. C'est terminé. Non. Tu sais, tout ce qui est arrivé, c'est à cause de ce que tu as fait. Et le pire dans tout ça, c'est que tu ne t'es même pas excusé. Bébé, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je te pardonne. Merci. Mais je suis tellement désolée pour toi. Avoir une femme comme Praise... Au revoir, Daniel. Bébé, je suis désolé. S'il te plaît, crois-moi, ok? Je t'aime et je te veux à mes côtés. Arrête de faire ça, Daniel. Ça ne peut pas marcher. Ça ne pourra jamais marcher. Alors, c'est fini? Oui, c'est fini. Félicitations. Je vous souhaite le meilleur à toi et à Praise. Tu te fous de moi? Prends soin de toi. Toi aussi. Ah.
Allez, frérot. Allez, frérot. Salut. Hey. Tu t'en vas, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Où est-ce que vous allez? À l'église. Nous allons à l'église. Nous allons manger. Ah. Il part à l'église et moi je vais manger. Oh, ok. J'ai faim. Vous êtes libre de me rejoindre. Ne vous en faites pas. Je gère la facture. D'accord, allons-y. Tu ne vas plus à l'église? Je vais en fait prier avant de manger. Tu vois ce que je veux dire? Ok. On peut y aller? Bien sûr. Ok, je vais ouvrir. Ah, merci. Qui êtes-vous? Est-ce que Daniel est là? Et toi, qui es-tu? Oh! Mon cœur, en fait, elle est maintenant l'ex-copine de Daniel. Il vient de rompre parce que Daniel a insulté sa meilleure amie. Voilà qui elle est. Je vois. Mm-hmm. Et donc, c'est la raison pour laquelle Daniel m'évitait. Je vais aller m'occuper de cette mégère. Daniel! Sauve-toi! C'est chaud à Bagdad, frérot! Please! Please! La propriétaire de la maison est là, je suis désolé! J'imagine que vous n'aimerez pas savoir ce qui va se passer. Oh, tu as bien raison. Je ne voudrais pas assister à cette bataille. Ce serait génial si on pouvait regarder cette bagarre. En la voyant, elle a l'air plus forte. Je veux la voir. Vraiment? Comment elle va... Pouvons-nous partir d'ici? Tu es vraiment malade. Tu sais que j'ai attendu ce jour pour la vie. Alors si vous ne négligez pas... Remarquez. bébé. Tu sais que mon père voudra te rencontrer, hein? Il veut qu'on vienne la semaine prochaine, comme ça on pourra finaliser notre mariage. Tu sais que je ne veux pas voir ce bébé hors mariage. Et qui es-tu si je peux me permettre? Je crois que tu es sourde. Et d'après ce que je viens de dire, tu devrais savoir qui je suis. Et bébé, n'oublie pas que mon père est un militaire. Eh bien, je vais te le dire. Je suis la deuxième fille de l'ex-président du Nigeria. Hein? Mon oncle est l'actuel directeur en chef de la fédération. Hein? Le frère de mon père est préfet de police. Hey. Et mon frère est né. Encore? Un général dans l'armée nigériane. Hey. Cette maison que tu vois est l'une des propriétés de mon père. Hey! Et au cas où tu ne le sais pas, non, reste là. Où est-ce que tu t'enfuis? Non, non, je ne fuis pas. Je suis partie depuis 5 mois. Et je savais qu'il me trompait. Bonsoir. Mais tu sais quoi, j'avais hâte de te voir. Alors, tu disais être un coquille, là. Moi? Toi, bien sûr. Oh, je Pourquoi tu bégayes? Grande sœur. Je ne suis pas ta grande sœur. Oh, je suis désolée, madame. Le truc, c'est que je ne suis qu'une fille ordinaire. Je me débrouille juste. Écoutez, et tout ça, et toutes ces choses que j'ai dites, ce n'est rien du tout. Je n'ai pas fait exprès, hein? S'il vous plaît, ne soyez pas offensés. Au cas où, ce bébé, si tu veux que je le retire, je vais le retirer. Est-ce que tu peux dégager d'ici maintenant? Je suis désolée. Hé, boubé! Hé! Qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. C'est de trop. Bon gosse. Okay.
Qu'est-ce que je vais rater? Tu m'as abandonné.